Ici, on est dans le Perche-Chartois. La particularité de la région, ce sont des bocages, beaucoup de haies, des vallées très pentues et d'autres très plates. La terre est argileuse sur 30 cm et dure en dessous. On est installé ici depuis 24 ans. C'était une ferme, il n'y avait rien, des barbelés, aucune clôture, pas de box. On a tout créé petit à petit. L'histoire du haras, les parents Isabelle nous ont beaucoup aidés financièrement. Avant, il y avait un élevage de gibier ici et on chassait avec le papa d'Isabelle et on a découvert l'endroit et on a dit si un jour c'était à vendre, on serait intéressé. Ce qui nous a plu dans l'endroit, c'est le calme déjà, la proximité de tout, l'autoroute pas loin, 10 minutes, 1h30 de Paris et puis le site quoi, qui est vraiment magnifique. Le haras des Marais, c'est 80 hectares maintenant, 55 box, barns, marcheurs, tout. On a un petit peu un service à la carte, c'est-à-dire qu'on fait ce que le client nous demande dans la mesure du possible. Donc notre activité principale, c'est l'élevage. Hein, on est les fourneaux et nos clients. Ensuite, c'est les chevaux de course au repos, les convalescences et tout ça. Et en activité, les ventes, naturellement, les transports. Et en activité annexe, on a à peu près 20% de trotteurs. Les chevaux repos, castration, soins et tout ça. L'entretien des terres, normalement à 99% du temps, c'est moi, que ce soit les broyages, les herçages. Et depuis 8 ans, on a arrêté tout ce qui est engrais chimiques et produits de traitement et tout ça. Donc on fait notre propre compost. Nous, on n'aime pas le bazar partout. On est très exigeant là-dessus, on ne supporte pas ça. Et donc tout doit être nickel, quoi. Aussi bien pour nous, les employés, que le client qui vient chez nous. Mais j'ai toujours dit à un client, il descend de sa voiture, la vente est faite à 80%. Après, c'est qu'une histoire d'argent. Voilà. Notre premier cheval de groupe, c'était Grestil. On a eu la chance de sortir un double gagnant de groupe à Auteuil au bout de 6 ans d'activité. Ça, c'est fantastique. En cheval de cœur, qu'on a beaucoup aimé, c'est Prince Chéri. Prince Chéri a été exporté en Australie par la suite. Et là, il nous a fait super plaisir. Il a gagné groupe, placé le groupe. Et on a une super surprise au bout de 2 ans d'inactivité cette année. Et il a gagné l'Istad. Un petit cheval avec beaucoup de cœur, c'est Albustan. Il nous a permis de gagner pour la première fois un groupe 1 en obstacle. Et là, c'était exceptionnel pour nous, quoi. On a gagné dans 4 ou 5 pays différents avec ce cheval-là. En 2018, on a la chance déjà d'avoir 5 Blight Type, une placée de groupe aux États-Unis, un gagnant de groupe en Angleterre, un placé de groupe en Angleterre, un placé de groupe en Irlande et un gagnant de l'Istad en Australie. On aime beaucoup avec mon épouse Isabelle les souches allemandes. On est tombé amoureux de ces chevaux-là il y a plus de 20 ans. Et donc on essaie de trouver toujours des anciennes souches allemandes exemptes du sang de nos sœurs montseurs. Bon, maintenant ça devient très compliqué, mais tous les ans, tous les deux ans, on arrive à acheter à l'amiable des juments plats ou obstacles en Allemagne.